Bonjour à toutes et tous pour l'après-midi. Je suis... Je suis un peu en galère, hein, une nouvelle fois, pardon. Je suis en bêta. Voilà, normalement. Bonjour Fun Fan. Voilà, ma première question c'est, est-ce que c'est pas trop fort ? C'est fort ? Volume sonore correct ? Ça va ? Ok. Je vais mettre moins 25 décibels. C'est un jeu qui est pas censé être fort, donc je vais noter, démarrer. C'est le fameux jeu immersif dont je vous contemplatif dont je vous avais parlé, qui est aussi en pixel art un peu à la Minecraft. Attendez, je pars, donc je prends mes repères. Je fais moins 25 décibels. Moins 25, ok. Alors que la PS2, c'est moins 7. Ok. Mais ça, c'est pour Streamlabs. Oh vache. Hop là. Alors, attendez, pardon. Que je gère la manette. En vrai, c'est la réduction de mon salaire. N'importe quoi. Ah, c'est pas trop mal. Alors, on voit l'effet réglage à la chiasse de ce midi. Mais c'est pas mal. Je peaufinerai, mais c'est pas mal. La suggestion de Tunsen ce matin de mettre un petit logo de chaîne. Je le mets à l'angle, c'est rigolo. Ouais, encore, je suis en train de me dire, je prends mon animation de relais de chaîne, ouais, alors que j'ai vraiment mon logo fixe de... Ouais, je profiterai pour le week-end prochain, va. Recoucou, Tunsen, oui, justement, tu vois, les petites modifs de midi, entre midi et deux. Et là, c'est ma PS3. Rebonjour, Kylian. Voilà, j'espère que vous avez bien mangé, vous êtes bien restauré ce midi. J'ai sorti la coiffe irlandaise, là. Histoire de changer les goûts, les plaisirs, les couleurs. Donc, c'est bien, en fait. Le Proteus, en plus de vous le présenter, va me permettre de faire un calibrage au niveau du son. Donc, d'après le premier retour de FunFan, ça a l'air correct. On va voir. Vous voyez, on ouvre les yeux. Et on va se promener. Alors, c'est un jeu en... contemplatif, très basé sur le son. C'est un jeu pour la relaxation, la détente. C'est une promenade virtuelle en fait. C'est généré aléatoirement. C'est du... Merde, je sais plus comment on dit en programmation informatique. Oui, merci pour le bonnet. Je retrouve toujours pas le terme. C'est de la programmation, pas séquentielle, de la programmation. Le terme me reviendra. Ah, enchanté, t'es un ami commun à Sky, Dragon Sky et Josh. Eh ben ravi, enchanté, Kylian. Oui, je savais pas. Merci de faire les présentations, FunFan. Merci tout plein. Là, on voit le soleil. Fait de comment dire, pas brouillard, mais le fait d'être ébloui. Voilà. On voit la mer. Oui, ça fait... Ouais, j'ai eu le même sentiment, en fait.
C'est rigolo. Ouais, ça fait très Minecraftien quelque part. Bah, c'est le pixel art en fait. J'arrive toujours pas à retrouver le terme technique. Ça va me revenir dans 1 heure, vous allez voir. Bref, c'est de l'aléatoire, quoi. À chaque fois que vous relancez une partie, vous avez une île différente. Donc, dans l'ensemble, par rapport à ma voix, tout semble correct. C'est bien si vous avez une expérience agréable au niveau de la diffusion. Après ça, bon là je vous le présente 10 minutes, un quart d'heure max, hein, Proteus. Après on va passer sur d'autres jeux de PS3, puis je vais vous présenter mon catalogue. Qu'est-ce donc? C'est mystérieux. J'entends un truc. Là-bas, peut-être. Extra. C'est juste extra. Il faut aussi que je vous fasse la visite d'une tour. C'est étrange. Le son qui y est associé est étrange. Oh, re-Olive qui tue! Ah là 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 là. Eh bah, bien content de vous avoir de retour. Donc là voilà, c'est une grande première, hein, PS3. Ça y est, je capte enfin ma PS3. Et je regarderai d'ailleurs dans le détail ce que tu m'as passé, Tunsen. Encore merci pour l'autre solution technique. Alors il y a un cycle jour-nuit. On va avoir la nuit s'installer dans l'île virtuelle. Bonjour Chris. Alors, bonjour Chris. Pour faire simple, mais je vais essayer d'écrire, enfin d'écrire, de prononcer ton pseudo sans l'écorcher. Chris Golgoth. Chris Golgoth, j'essaie de me prendre habitude. Oui, on s'était vu très brièvement chez Olive tout à l'heure. Merci à toi, bienvenue. Re-Zexo-Citron. Alors, je serais curieux de savoir dans le chat lesquels d'entre vous connaissaient Proteus. Alors, connaissaient dans le sens déjà de réputation de nom, et encore mieux si certains d'entre vous l'ont en fait. Oui, Chris, t'embête pas. Ok, merci. Une petite mare d'eau. Je crois que c'est la première fois que j'ai une petite mare d'eau dans la génération du Nil. Eh ben. Pas du tout, Chris, ça te dit rien, Proteus. En fait, le programme jeu, entre guillemets, c'est une expérience virtuelle, est réputé pour le côté détente, contemplatif, et son algorithme aléatoire. Mieux réputé d'ailleurs que Minecraft. Au niveau du côté aléatoire. Alors je pourrais pas rentrer dans les détails parce que j'ai pas assez étudié l'œuvre. Tu connais pas non plus FunFan? C'est un programme de détente, de relaxation. Moi, il m'est déjà arrivé de faire Proteus en fin de journée, après une journée de boulot harassante où j'étais sur les nerfs. Je me fais un quart d'heure, 20 minutes. Je suis baba cool. C'est une thérapie. Si je me laisse, j'entre dans le son. Le point fort en fait du jeu, c'est surtout le son. Vous avez la chance d'avoir une bonne sono chez vous, les fameux 5.1, 7.1. C'est. Wouh! C'est ressourçant, c'est génial. Ah, il va se viander dans la plage, le malheureux. Je vais pas le pousser dans la flotte. Oh, le firmament! L'étoile. Se passe des choses. Fan fan. C'est vrai, on a une olive et un citron. C'est vrai, j'y avais même pas pensé. Là, voilà, le hasard des pseudos. C'est vrai. Alors attendez, on est dans un cimetière, il y a des tombes. Et il y a le mouton qui est au milieu. Enfin, ce semblant de mouton, c'est suggéré.
Alors, je crois savoir qu'il y a des événements propres à la nuit et propres au jour. J'ai déjà vu des choses que je ne saurais vous décrire avec des mots, qui sont d'une poésie. Il y a des événements rares, hein, je crois. Et donc, je disais, ce programme ou ce jeu-là, programme virtuel, il est réputé pour son algorithme de hasard et le son. Les sons ont été plus travaillés que l'image en soi. Voilà, si vous commencez à donner des noms de cocktails. C'est quoi? Alors, peut y avoir des oiseaux dans les arbres. Ou je ne sais quel Pokémon, on va dire. Ouais, la creeper, ouais. Est-ce que vous entendez le son des grillons? Ou des cigales. On semble entendre même un oiseau. Ouais, vous confirmez? Ouais, merci. Là, comme quoi, c'est vachement bien foutu. Grillon, ouais. Oui, fan fan, oui. Super chose 007 pour le martini, oui, c'est sûr. Re Bombastos. Ouais. Je sais pas. Voilà, j'avance timidement parce qu'on est de nuit. Quand le jour va revenir, on va faire un rapide tour. Je vais vous présenter une tour, c'est le cas de le dire. Puis après, on passera à un autre jeu. Mais je tenais à vous présenter l'œuvre là. Oiseau! Oh, on a vu l'oiseau! C'est beau! C'est plein de poésie. Le oiseau. Ah, il y en a un autre là-bas. Oh! Mais il y en a partout en fait. Eh bien. On voit le firmament, les étoiles qui bougent. Constellation. Alors j'essaie d'avancer un peu sur le chemin de nuit. On va voir où est-ce que ça va nous mener. Ah, il m'est déjà arrivé aussi de trouver une construction petite maison. Oh, des lucioles, je crois. Ou feu follet, non? Délirant. Voilà, on continue la promenade. Ah, une tour. Le son est trop bizarre. On dirait presque du biniou cornemuse. L'aurore. Ouais, la lune qui se couche. Ah, c'est beau.
superbe séquence là. Le plan là il est magnifique. La mer, ouais. Bateau, bateau. La météo aussi qui est aléatoire. On va sûrement passer sous la flotte. Voilà. La flotte arrive. Je suis content. En peu de temps, je vous montre beaucoup de choses. Il manquerait plus que je trouve une petite maisonnette. Et je crois qu'on aura fait le tour de l'ensemble. Enfin, des événements communs, on va dire. Parce que les événements rares et spéciaux que j'ai déjà observés. Je sais pas comment vous les décrire. À un moment, il y avait comme un siphon de pétales blancs de fleurs qui tournait à la surface de la terre, de l'herbe. Il y avait un truc magnifique à un moment. C'était trop bizarre. Ça faisait presque une galaxie, en fait, qui était en rotation sur elle-même. Oui, c'est pas grave, Olive. T'en fais pas, merci. Et puis c'est l'attention qui compte. T'en fais pas, Olive. Moi, j'étais encore dans ma coulisse. J'ai vu effectivement le message que tu. J'étais plus en train de t'héberger parce que t'avais coupé le signal. C'est rien, t'en fais pas. Merci tout plein. De toute façon, j'avais pris une fourchette large à dire je reprends l'antenne entre 14h et 15h. Ben, mais. C'est pas grave, c'est totalement anecdotique. Ah ah ah! Oh, fun fact, j'aime bien quand tu relances, tu auras l'occasion de te rattraper. Ah, t'es terrible. Ah là 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 là. Mais en fait, t'es une des rares diffuseuses, Olive, qui émettent le dimanche matin. Donc, j'ai bon espoir que pendant souvent, dans les semaines et mois à venir, on va se faire un relais mutuel le dimanche matin, dimanche midi. Même si je dis pas d'annerie concernant Aeroster, je crois que par exemple le dimanche, il diffuse que l'après-midi, il s'accorde le matin pour lui. Et il a bien raison, hein, je comprends parfaitement. Vu tout ce qu'il fait en semaine. Ouah, il y a 50 chemins. Ah, la maison. Et ben voilà, je suis ravi. On a fait la liste de tous les éléments que je voulais vous montrer. Histoire de faire une brève présentation du jeu. Ah là 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 là, c'est mimé comme tout. Allez, on va regarder sur l'autre versant de la colline s'il y a quelque chose. Et puis s'il n'y a rien, on va passer à l'ensemble de mon catalogue PlayStation 3. Éventuellement, aller au sommet d'une montagne. Tiens, je ne vous l'ai pas fait. Ouais, ça vaut le coup le panorama au sommet d'une montagne. Là, parfois, on ne sait pas si ce sont des menhirs ou... Ah, il y a du vent. Le vent, vous n'avez pas vu. Très bien, ça aussi. Le fait de voir le phénomène climatique. Très bien. J'ai déjà vu un orage une fois. Ils ont eu les chocottes. Allez, on va aller au sommet de la montagne, faire un tour de panorama de l'alentour. Et puis à mon avis, ce sera une très belle démonstration. Là. Je crois même qu'il n'y a pas de limite au niveau de la physique, c'est-à-dire il y aurait presque moyen de faire un mur à la verticale, que ça poserait pas problème. Voilà, non, on est sur le sommet, voilà, on voit, voilà. Ouais, le Ventoux, ouais. Le Mont Ventoux, oui, il y a un peu de ça. Il manque plus que la route en lacet, c'est ça. C'est ça, c'est ça. On la voit un peu là-bas, je crois, non. Je sais même plus moi-même. Bref. Ah, c'est beau.
Alors voilà, les semblants de petits pétales blancs qu'on voit au vent. Un moment, j'avais comme une galaxie en spirale au sol. Ça tournoyait. C'était beau. Ça faisait. C'était féerique. Et ce phénomène-là, je l'ai vu qu'une seule fois en. Je sais pas, 10, 12 îles générées, quoi. Même plus. Je sais plus depuis combien de temps j'utilise Proteus. Je le fais de temps en temps. Voilà. On entend le vent. Alors, on voit un peu au loin, je sais pas si vous voyez, je vais m'approcher. Bah, je me demande si on n'est pas au début du phénomène tournoyant. Regardez, ça prend la forme d'un cercle. Mais là, c'est une version légère qu'on est en train d'observer. J'avais vu un truc beaucoup plus massif. C'est tout complètement aléatoire. Pardon, il faut que je regarde les. Oula, Fun Fat, t'as dérapé! Oulala! Le pauvre Twinsen, tu l'as temporairement banni 10 minutes. Mon Dieu. Allez! Oh là là, oui, fun fan, il faut que tu prennes tes repères tout doucement, toi aussi, au niveau de la modération. C'est pas évident, hein, c'est une interface à part, la modération. C'est encore autre chose. Ouais, c'est beau comme tout. Allez, on va passer à autre chose. Je suis ravi de vous avoir présenté Proteus, qui est une rêverie, j'ai envie de dire, une fantaisie virtuelle. J'aime beaucoup cette œuvre. C'est ça, Canayou. Bien dit, Bam Bastos. Oui, il est revenu tout de suite. Bah oui, je pense bien que t'as. Ah tiens, en parlant de sanctions à faire sauter, j'ai corrigé le slash mi. Vous pouvez le faire maintenant. Je l'ai corrigé entre midi et 2. Et évidemment, j'ai fait sauter votre compteur de. J'ai réinitialisé votre compteur de sanctions, là, d'avertissement. Encore pardon pour la boulette. Ouais, il est. Voilà. Il a moisi, il a. C'est une perle rare, c'est une exception, et il a totalement mérite d'exister, quoi. Voilà, donc dans mon catalogue, j'ai du Resident Evil. Ça, c'est le Rocket League du pauvre. C'est le Rocket League du pauvre. J'aime bien la petite voiture télécommandée avec la balle dans le stade ou dans les arènes. Ça, c'est du bowling, vous voyez. Ah, ça, faudra que je vous fasse une session spéciale pêche. Peut-être qu'on va se le faire aujourd'hui. Le Sega Bass Fishing. Simulateur de pêche de Sega qui avait fait un carton sur la Dreamcast, je crois. Je crois que c'est un jeu phare de la Dreamcast. Jeu de mini-golf, j'aime bien tout ce qui est jeu de golf. Encore du Resident Evil. Far Cry 3 Blood Dragon, qui est particulier, qui est entre le 3 et le 4. Qui est un, comment dire, une roue libre pour les développeurs, les concepteurs, ils se sont fait plaisir. Et ça donne un jeu magnifique qui est particulier. Si vous êtes plusieurs à motiver à ce que je le refasse, parce que je connais l'intrigue, hein, je l'ai déjà fait, c'est particulier. Moi, j'aime bien. Voilà, j'ai la chance de l'avoir. Okami, alors moi, évidemment, en tant que représentant officiel du Japon, magnifique pour apprendre le shintoïsme, la culture japonaise. J'ai fait le début. J'ai fait que le début. J'ai jamais pris le temps de consommer l'œuvre. Alors, le pire, je vais vous raconter une anecdote sur ce jeu-là. Dans mon organisation, comme on organise des cours de langue japonaise, souvent on leur demande, mais pourquoi vous êtes motivé à apprendre la langue japonaise? Comment vous avez eu le déclic? On est très curieux de savoir. Ça, on demande en optionnel dans les fiches d'inscription. Et on a une demoiselle, il y a 2-3 ans de ça, qui nous a dit, ah bah moi j'ai découvert le Japon via Okami, le jeu, et j'ai trouvé ça superbe et je veux en savoir plus sur le Japon. Magnifique! J'ai adoré la réponse de la jeune femme. Et comme quoi, enfin voilà, c'est d'un point de vue culturel, c'est top. Alors ça va te plaire, Fun Fan, hein. Voilà, je sais que là tu gagates, mon cher Fun Fan. Un jeu que tu vas théoriquement, avec un peu de chance, prochainement faire en coop avec Aeroster, je crois que nous pouvons le dire sans souci. Oui, voilà, nickel. Ah, t'es très enthousiaste aussi, Olive qui tue. C'est bien. Oh, voilà, Chronicles.
Torimaki, je sais plus ce que c'est. C'est, voilà, japonais, mais je sais. Bon, Tori, ça veut dire oiseau en japonais. D'ailleurs, on le voit à l'illustration. Mais je sais même plus ce que c'est. On va peut-être voir juste après. Ah! Ah! Mesmerize. C'est en fonction des sons captés par le PlayStation Ice, qui est le micro-caméra de la PS3. Ça fait des formes géométriques, ça fait un, comment on appelle ça, un fond d'écran, enfin un économiseur d'écran entre guillemets, qui s'anime en fonction des sons captés par le micro de la console. Et quand vous mettez de la musique, ça fait super ambiance quand vous recevez des amis chez vous. C'est sympa. Ah, alors ce jeu-là, c'est un jeu un peu coquin là, on voit avec des demoiselles, qui est, alors en dehors de l'aspect coquin du jeu. Il est vachement technique comme jeu de combat. Je l'avais acheté parce qu'il était réputé au niveau de la technicité des combinaisons de mouvements qu'on peut faire. J'y ai pas touché depuis. Ça doit faire. Ouais, je sais pas, peut-être. Ouais, 3 ans. C'est marqué 2016 sur mon signal là. Enfin, ça doit correspondre à. Je pense pas à la dernière utilisation, mais plutôt l'installation. Encore que peut-être. C'est peut-être la dernière fois que j'y ai joué en 2016. Je sais plus. Mais il est réputé vachement technique, balèze. Et c'est vrai que je me souviens que j'avais mal aux doigts au bout de 3 quarts d'heure de jeu. Oui, il est probable que Haru connaisse le jeu là, oui. Donc le 4, bah le 4 qu'est en train de faire actuellement Hero Star là. Le très célèbre Beyond God and Evil, dont la voix française de l'héroïne est c'est Emma Decaune, la fille d'Antoine Decaune, qui fait le doublage, que j'ai pas fait non plus. Je me demande, tu l'as pas fait celui-là, Olive? Beyond God and Evil. J'ai souvenir qu'il y avait une demoiselle sur Twitch qui avait joué il y a pas si longtemps que ça. Je suis dans le doute. Pardon, je bois. Oui, il a fini Hero 4, Fun Fan, Hero Star. Ok. Voilà, pardon, je jette un coup d'œil à ma tablette. J'ai une petite alerte de Discord. Si j'aime bien, même si j'ai jamais joué au Resident Evil, je suis pas sûr, c'est pas une licence très connue. Ouais. Opération ouais, Raccoon City, celui-là il est très nerveux. Il est au niveau des équipes de nettoyage dans la saga. Ça c'est pour jouer avec la webcam. Buzz, c'est du quiz, voilà, c'est du questionnaire de culture générale. Alors en famille, je m'éclate. Buzz en famille, c'est extra. Avec les amis, bien sûr aussi. Mais c'est surtout avec la famille que j'ai eu le plus de fou rire. Véronica, oui, voilà, le code Véronica, le zéro. Le zéro, je pense que. Je crois que je l'ai fait qu'une seule fois, le zéro, et j'en ai plus souvenir, en fait. Faudrait que je le refasse. Bon, le classique, hein, le premier d'origine. Aquavita, en fait, c'est un aquarium virtuel, c'est un fond d'écran, on va dire. Voilà, Street Fighter contre Tekken, en défouloir. Encore une version de Duke Nukem 3D, la version PS3. Darkseid, oui, ah, c'est au flingue. Les Darkseid Chronicles, c'est au pistolet. Et, mais bon, là, j'ai rangé tout le matos, donc je le ferai pas dans les mois à venir, mais ça se fera. Hein. Voilà, dans le même genre, The House of Dead 3, c'est du tir. Oui, t'as la même version, Fun Fan, ouais. Oui, on va finir par l'invoquer, oui. Force d'en parler. Mass Effect, oh là là, cette tuerie. Oh, Mass Effect, qui est une trilogie. Le premier opus, je l'avais découvert sur PC. Je l'ai redécouvert, donc comme vous pouvez le voir, reacheté sur PS3. Et j'ai complètement découvert l'opus 2 et 3 sur la PS3. Un régal. Il me manque que un ou deux, peut-être trois DLC, contenu téléchargeable payant additionnel que j'ai pas Émoticône fait. souriant. FunFan 1992 dit ceci. Est-ce que tu as House of the Dead 4 sur la PS3? Je crois pas. Je crois pas. Attends, qu'est-ce que j'ai fait de ma liste PS3? Attends, on va regarder. Qu'est-ce que j'ai noté? Ah, moi j'ai rien noté. Il faut que je mette à jour la commande. Mince. Je l'ai peut-être en version boîte. Je crois pas. Non, franchement, je crois pas. Mais si t'es intéressé, tu me le dis. Tu fais point d'exclamation JAF. Pour jeu à faire, tu rajoutes. Voilà, House of Dead 4 et. Comment dire, je pourrais à l'occasion peut-être l'acheter dans les magasins de Nancy.
Pour si vous êtes vraiment motivé à ce que je le fasse, si je le trouve pas cher, pourquoi pas. Ça, c'est un jeu d'adresse. Ça, c'est un jeu de flipper. Ça, c'est un jeu de billard. Resident Evil 6. Ça, c'est... Ah, ça, c'est spécial, ça. Ça, je l'ai pas fait depuis une éternité. C'est un jeu de d'intelligence... C'est particulier. C'est... J'ai bien aimé, c'est particulier. Echonochrome 2, c'est un jeu d'adresse. Ça joue avec la caméra. Et pareil, ça, The Trial of Stopoik, j'ai jamais joué. Mais je crois aussi j'ai besoin d'avoir le PlayStation Ice pour y jouer. Alors, il y a trop d'écho quand le caribou y parle. Ah, peut-être. Je crois que le 4, il est en dématérialisé. Il faut le commander depuis le Japon pour l'avoir en physique. Ah, bah, c'est mal barré alors. Encore que je dis ça, je crois que j'ai un magasin sur Nancy qui fait les jeux direct import du Japon. Mais c'est la copie. Je crois que j'ai vu des jeux PS2 ou PS1. Ils le vendaient carrément 100 euros pièce, quoi. Donc, c'est non. Voilà. Je suis pas fanat au point de pouvoir claquer autant de thunes pour un jeu. Voilà. Ah ouais. Bon, bah bien. Bien joué, fan. Alors, ça c'était le catalogue PS3. J'ai des mini-jeux. Voilà, ça c'est du flipper. Alors c'est du niveau aussi très pixelisé à la... Qu'on appelle ça l'Amstrad ou l'Amiga ST. Vraiment des années 90. Voilà, Amiga de 92. Je vous dis ça de tête et en fait on a le descriptif. Ah, petit jeu de golf. Très particulier jeu de golf, mais je l'aime bien. Voilà, du jeu du palais. J'adore le jeu du palais, comme dans Duke Nukem Forever, là. Du bowling. Et puis là, les fléchettes. Bon, voilà. Alors, catalogue PlayStation 2. Non, qu'est-ce que j'ai fait? N'importe quoi, moi. Encore un autre flipper. Un excellent flipper. Je vais peut-être vous le présenter maintenant. Le Gottlieb. Très beau. Et encore un jeu de billard. Et enfin, les titres de PlayStation 1. Bah, les trois premiers Resident Evil. Et encore un jeu de flipper. Voilà. Ça, c'est tout le dématérialisé qui est incorporé dans ma PS3. Et la disquette, j'allais dire. Le Blu-ray que j'ai mis dans le lecteur, dans la galette. Aujourd'hui, c'est le jeu de combat sexy Dead or Alive. Number 5. Heureux, Chris. Ah, plus, pardon, j'ai pas vu Olive. Allez, je vais me poser, je commence à avoir mal au crâne. Passage mode lurk, les amis, des bisous. Oui, bisous, Olive, repose-toi bien. Merci. Oui, tu savoures la suite du direct. Tranquille, Pépouce, t'as bien raison. T'as bien raison. Puis reste bien au chaud, hein. J'avais compris tout à l'heure que tu commençais un peu à te les cailler. Ouais, que c'est pas évident là avec la mauvaise saison à gérer la température. Alors, j'ai dit quoi? J'ai dit qu'on se ferait. Je sais déjà plus. Ah oui, le billard, le beau billard. Est-ce qu'on a avec nous. Oui, Zex de Citron, il est là. Je sais que je crois que c'est toi, Zex de Citron, qui étais intéressé par le billard. Je crois, hein, je sais plus. Mais Gottlieb, faut que je vous le présente. Alors, Duke Nukem 3D à la plage, on le fera probablement le week-end prochain. J'y ai pensé. Mais on le fera le week-end prochain. Mais oh, je préférais le faire sur PC, le Duke Nukem 3D à la plage. Parce que. Ouais, sur la PS3, c'est particulier, j'ai plus les réflexes. Oui, ce sera mieux sur le PC. Ouais. Ouais, Duke Nukem 3D. Ouais. Bah là, tout récemment, j'ai fini avec vous l'épisode à. Ah, t'adores? Ah bah, je t'invite à voir mes rediffusions. Si t'aimes regarder les rediffusions, je sais que certains aiment que les directs. J'ai fait l'épisode à la Maison Blanche avec Bill Clinton à sauver avec Duke Nukem. Tout récemment, c'était bien rigolo. Attends, il charge. Alors, vous avez le DN au cinéma, au zoo? Donc le week-end prochain, voilà, je vais me le noter parce que vous êtes très motivés. Dimanche après-midi prochain, promis, je m'engage, on se fait le Duke Nukem aux Caraïbes, sur la plage. Je me note.
Dimanche, on sera quoi? On sera le 12, je crois, un truc comme ça. Donc, faire Duke 3D. Je vais dessiner un cocotier. J'aurais tout compris. Voilà. Allez, voilà, c'est noté dans l'agenda, on sera ça dimanche prochain. Alors, Gottlieb Challenge, oh là, magnifique. Mode arcade. Voilà. Emoticon souriant. Fan 1992 dit ceci. Ceci est un test pour écho. Y a-t-il de l'écho? Peut-être un son à tester, peut-être pour voir. Mince, que je suis bête. Y a de l'écho pour la voix, ouais. C'est bizarre qu'il y ait un effet écho pour la voix. La voix de synthèse a un écho. Ah, vous êtes peut-être le retour de mon téléviseur, non? Merde, c'est pas la bonne télécommande. C'est l'autre écran. Attendez voir. Emoticon souriant, le tiret bas sage tiret bas de tiret bas Nancy dit ceci, test. Oui, j'ai un retour. J'ai baissé le son du téléviseur. C'est peut-être ça. Bref, vous avez le choix de vos, voilà, de vos tables de bière électrique. Il est beau celui-là, le trou noir. Oui, c'est mieux. Oui, bah c'est ça, pardon. Vous aviez mon retour en fait de téléviseur. Alors, la série Gottlieb, là, comment dire, les flippers, ils existent en vrai. C'est un fabricant américain de flippers et les flippers existent en dur. Il y a des photos sur internet, vous regardez, vous retapez les noms et vous retrouvez les en dur voilà, les tableaux, si je puis dire. Je m'en souviens plus du tout. Allez, on va se lancer dans le premier. Je me souviens plus du tout. Et pourtant, il est excellent ce jeu. À la manette, c'est super agréable. Flipper, flipper, flipper. Oui, je dis billard électrique. Parce que c'est le terme français de flipper qui est américain. Soit un billard classique, soit un billard électrique. Égal flipper. Oui, ça prête confusion, pardon. C'est juste le terme francisé. Comme au lieu de dire je vais jouer au frisbee, je vais jouer au discoplane. Tu sais que je suis chiant là-dessus, je francise tout. Oui, bah voilà, go, allez. Je sais plus comment on joue. Attends. C'est là où je vais déclencher le tilt. Non, c'est ça. C'est les gâchettes, naturellement. Ouais, c'est ça. Ok. Donc déjà, mon réflexe est bon. Enfin, je joue mal, mais ça, c'est pas une nouveauté. Et ça, c'est franchement, c'est le genre de jeu super sympa quand vous recevez de la famille ou des amis, quoi. À l'apéro, là, tranquille, ça fait ambiance bar, c'est extra. C'est un régal que d'avoir ça. Ouah, je vais pas aller loin. J'ai fait de la mouise. Je t'ai pas compris, Chris. Mais où, ma madame? Hop là. Mais pardon, après, il faudrait que je vous lise quand même un peu. Là, je me fais un monologue et puis je vous lis à peine, pardon. Attendez voir. Un disco plane, oui. Le discours plan, j'aimerais avoir un flipper à la maison, mais madame n'est pas d'accord. Elle me dit que je suis un gamin de 36 ans. Ah, bah oui, voilà, j'avais pas vu ta phrase, Chris, pardon, Chris Golgot. J'ai, oui, ça prend de la place, ouais, c'est. Et encore, j'ai envie de dire si t'as une surface plane, et encore c'est généralement incliné les flippers, ça va de soi, donc. Oui, non, j'allais dire, tu peux même pas recouvrir et puis mettre des objets par-dessus, non, c'est encombrant.
Un flipper. Ouais. La jeunesse n'a pas d'âge, comme disait Pablo Picasso. Ah oui, en plus, il y a un truc aléatoire pour avoir une boule supplémentaire. Bref. Alors, l'un de mes projets de menuiserie, c'est un flipper qui se joue à deux, ouais. Oh là là, Zex de Citron, je vais te faire ta pub. J'ai eu le plaisir donc de te voir brièvement cette semaine dans ton atelier, effectivement, faire du traitement de bois de manière générale. Je ne connais même pas les techniques que tu utilises. Je suis pas Arrivé à bricoleur. l'instant sur le canal d'un cyberspectateur. Salutations à l'ami Dragonski57. Re Dragon Sky, ouais, c'est bien, tu maîtrises certaines commandes. Ouais, c'est bien que tu t'annonces. Ah oui, alors c'est bien le coup du c'est moi. C'était qui? C'était Bombastos, tu te souviens? T'avais voulu saluer une fois Edge Club. Et en fait, la commande était faite pour se saluer soi-même. Donc en fait, c'est cette même commande que j'ai rebaptisé c'est moi. Et le salut, bonjour. Avec quelqu'un de désigné, c'est effectivement maintenant vous qui allez pouvoir saluer de manière vocale, de manière distinguée, quelqu'un qui arrive. J'ai fait la distinction entre les deux. Ça fait l'objet d'un clip, hein. J'ai bien rigolé de ce moment-là. On le retrouvera dans la compile de fin d'année des meilleurs moments. C'est inclus. Allez. Un petit challenge, je vais essayer d'enchaîner les tableaux et voir jusqu'où je vais. Alors, hop, je bois un coup. Genie. Score à battre, ouais, oh là là. Pas évident. Allez, je vais essayer de me lancer un peu. Fun fan. Mon Dieu. Oula. Alors, vous comprendrez que je suis complètement concentré. Mais du coup, ça va vous faire une belle petite démonstration du flipper. Je vous en ferai rarement, hein, parce que je devine qu'en tant que spectateur, ça devient vite barbant. Petit endettement de 5 ans contre un flipper, c'est rien. Eh ben. Eh oui, Redragon Sky. Oh! Oui, je veux dire, tiens, ça bouge plus. Ah, score bonus. Ça fait toujours plaisir. Hop là, merdoum. Alors, j'avais une crainte avec la captation de la PS3, c'est d'avoir un léger lag, décalage de mon retour. Pour les jeux de réflexe, ça le fait pas. Et je crois qu'il y en a un tout léger, peut-être d'un dixième de seconde. Donc ça va encore, mais j'essaye d'anticiper légèrement l'action que j'ai dans mon retour image. Ça aussi, c'est un problème dans la captation qui peut se poser. Faut faire gaffe à pas avoir des jeux de réflexe trop balèze. Parce que sinon ça frustre et ça fausse complètement l'expérience. Merdoum. Nul. Ah bah ça va, j'ai le droit de continuer. J'ai rempli l'objectif. On va passer au tableau suivant. C'est bien.
Ouais, d'accord. Ouais, 750 000. C'est parce qu'il faut se faire comme moi en version débat. Oui, en version débat, FunFan, ouais. Bah là, exceptionnellement, ce sera pas le cas aujourd'hui, mais... Mais oui, ça se fera. Oui, je reprendrai volontiers ta formule. Je te la rachèterai, FunFan. On négociera les prix hors antenne. Je te connais trop bien maintenant. Bah, ma bille, elle est coincée. Ah non, c'est prévu pour. Mince, je réagis pas du tout. J'avais pas vu que j'avais d'autres clapets en haut. Ah, gagadabada. Ça me dit quelque chose, Psycho Pinball. Le retour de Bernard Mabille. Oh non. Excellent. Émoticon souriant. FunFan 1992 dit ceci. Je n'ai pas le monopole du concept, donc c'est gratuit. Ah, merci. Mais oui, le Psycho Pinball, il me dit quelque chose. Sans déconner, il a dû... J'y ai peut-être joué même, je sais plus. Je pourrais pas dire. Il y avait des tables interconnectées. Ouais. Ça se jouait pas sur PC, sur DOS, Twinsen, s'il te plaît. Ou peut-être les premières versions de Windows, tu sais, la... peut-être pas la 3.1, mais la 95-98. Aussi, ouais, ok. Ouais, bah je pense que j'ai connu le bestiaux. Et ça me fait penser, il y a un jeu très original que j'ai découvert assez récemment, c'est-à-dire il y a à peine 2-3 ans de ça, sur Mega Drive. C'était un mélange de deux genres que j'aime bien, le flipper et le casse-brique. Et je sais plus comment ça s'appelle. Il y a un scénario en plus dans le jeu Mega Drive. C'est un couple princier qui se fait transformer par un méchant sorcier qui veut prendre le pouvoir. Ils sont transformés donc en tablette, en barre de casse-brique là. Mais très original comme concept et pas évident le jeu. Mais j'ai plus le nom en tête comme quasiment à chaque fois. Ça marche que pour les modos. Oui, j'aime beaucoup ton chapeau. Oui, c'est ça. C'est un sponsor pour la Saint-Patrick. C'est exactement ça. Oh, je m'attendais pas à faire un si bon score. Oui, alors, c'est pas pour faire de la pub, hein. On reconnaît la... Attendez, en plus, il a pris une baigne. Voilà. Voilà. Effectivement, c'est ça. Ah, Bernard Montiel, mon Dieu. Bref, tableau suivant. Je vous lis en même temps, hein. Pardon. Alors, 200 000. Il y avait des tables Far West sous la mer, Far West, Fer Foren, sorcière. Ouais, bref, des beaux thèmes. Voilà. Alors là, la bille est beaucoup plus lourde. On dirait un paf, vous savez, pour ceux qui ont fait des jeux de billes. C'est vraiment le modèle au-dessus. Elle est lourdingue, la bille, c'est dingue. Ça a rien à voir. Le modèle au-dessus, c'est la boule de pétanque. Hein. Ah, il y a des combinaisons rageantes. 250 000, oula. FunFan 1992 dit ceci, mais moi je suis pas fan du mot collaborateur, est-ce que la prochaine fois il pourra avoir un autre mot à la place s'il te plaît?
Collaborateur. Ah, dans mon écrit, peut-être. Oui. Ah, collaborer. Oui, d'accord. Ah, oui, oui, là, ma formulation est maladroite. Je conçois parfaitement. Oui, oui, oui. Oui, bah, vous faites bien de me relire. Hein. Parce que je suis pas à l'abri de publier une grosse ânerie. Avec les pavés que je vous ponds, j'ai vite fait de commettre une bévue. Ok, ouais, je reverrai la formulation. Oui, peut-être quelque chose de plus spontané. Ouais, ça fait peut-être un peu trop formel, le terme. Je devine en partie ton ressenti. Le jeu du flipper tilt ou pro pinball. Tilt, je crois que je l'ai fait aussi. Pro pinball, ça me parle moins. Enfin, ça fait un peu non générique, pro pinball, donc... Merdome. J'ai pas de bon réflexe. Comme vous pouvez le voir. Pas de la tarte. Et on voit à quel point l'illustration est riche de cette table là. Alors, pour parler un peu technique au niveau captation de la PlayStation, oui, il est pas terrible, ouais, il est pas, ouais, il est pas emballant. Enfin, il vous emballe. Pas spécialement, et je le conçois aussi. Je comprends bien. Oula, je suis... Oups. Lui, il est peut-être plus pâteau, plus mou que les autres. Donc, je peux deviner qu'il y a un certain ennui à la longue. Oui, pour parler technique, là, la PlayStation 3, je lui ai demandé à émettre dans la version la plus dégradée qu'elle puisse émettre. Parce que je fais comme si j'émettais sur Péritel, en fait. Je casse le signal numérique pour réceptionner en analogique. Pourquoi? Parce que la PS3 émet toujours en HD. Enfin, lorsqu'elle émet en HDMI, elle émet toujours en mode protégé. C'est pour ça que ma captation brute en HDMI ne fonctionnait pas. Et il faut casser la protection. Oh non! Oh là là, non, je vais pas réessayer, ouais, c'est ça, on va faire un autre jeu, je quitte, voilà, je, je signe même pas, j'ai honte, ce sera 3 tirés vierges, voilà, quitter le jeu, voilà, on va faire autre chose. Alors attendez que je vous lise. Tac tac tac. Nanana. Oui, ok, fun fan. Je conçois parfaitement. Je changerai le mot collaborer. On va perdre la boule. Oui, bien une scène. Bien. En jeu de flipper, vous vous souvenez de Pinball 3D Space Cadet? Alors, sans offense aucune, ça me dit rien, Bombastos. Pinball 3D Space Cadet, ça me dit rien du tout. Alors, ta sortie de ta PS3, elle est en 576p vu qu'elle est protégée. Oui, oui, c'est ça. Jeu Windows XP, d'accord. Ok. Mais je vais voir si je peux émettre en un peu plus beau. Mais je verrai ça dans la quinzaine. Ah, tu vois, tu as joué des dizaines d'heures. Que faire? Il y avait quoi d'autre que je voulais vous montrer un instant, là?
Quand j'avais fait le listing, c'était quoi? Ça va me revenir. J'étais vachement enthousiaste à l'idée de vous le présenter. Ah bah la pêche. Allez, on va essayer la pêche. Oui, j'ai pas compris. Elle a un cadenas, une armure ou des gardes du corps? Tu rebondis sur l'un de mes propos à chaud, tu une scène? Je m'en rends même pas compte, hein. On va taquiner le goujon. Si ta console est protégée, oui. Ok. Allez suivre, pardon. Sega. Ça change un peu du Sega quand on fait un Sonic là. Oui, c'est le moment, effectivement, Dragon Sky. Je me suis dit, en vous disant le mot-clé, je me dis, il y a quelqu'un qui va réagir dans le chat. Donc, c'est un simulateur de pêche. Oui, bah, je chargeais mes parties de il y a. Oh, pas si vieux que ça, 2020. Pas si vieux que ça. Hop, jouer. Mode arcade, oui, on y va peinard pépouze. Hein. Je vais pas me mettre de défi. Oui, bon. Pop, 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 ouais, petit coin peinard. Alors, au premier abord, ce simulateur de pêche est relaxant. Et c'est le cas. Mais, si vous voulez relever les défis hors mode arcade, voilà, là, je choisis mon app, enfin, mon appât. Voyez, là, toutes les profondeurs. Là, il dit que ça marche qu'en surface. Oui, c'est ça, Dragon Sky. Là, vous voyez, je peux pas aller au fond et gratter les algues avec celui-là. Vous voyez, faut bien choisir son bazar. Hop, je sais même plus comment on y joue. Je sais plus du tout. Comment je fais? Je sais plus. Je sais plus. Je sais plus y jouer. Je sais plus du tout. Je suis en train d'accrocher le fond. Alors si j'en chope un et puis qu'il faut que je me débatte avec. Voilà. Émoticône sourire. FunFan 1992 dit ceci. Est-ce que dans ton jeu de pêche, on peut pêcher des pêches pour avoir la pêche? Ah, une prise sympa. Oh, a big one. 2 kilos le morceau. Vous voyez, je suis content d'avoir eu. Bon, c'est gentil, hein, c'est de l'arcade. Pas mal ton jeu de mots, FunFan. J'ai apprécié. Mais en compète, le jeu devient nerveux. Je peux pas dire angoissant, c'est pas le bon terme. Alors, il faut un peu bouger les gâchettes, mais il faut pas que je casse la ligne. Voyez, on voit la jauge sur le côté. Si je reste appuyé trop longtemps ou si je m'excite comme sur une table de flipper à faire tilt, bah la ligne casse. Voilà, si je fais 4 kilos en complet dans le cumulé dans le temps imparti, bah je gagne ma partie quoi. Alors, il est toujours bon d'aller presque aux extrêmes au niveau du point de pêche alternativement. Parce que l'intelligence artificielle du jeu est bien programmée. Les poissons retiennent les zones où il y a eu du grabuge et stress, entre guillemets. C'est très bien foutu, ça je l'avais remarqué. Oula, doucement.
Où il se débat. Il se débat méchant. Oh là là. Celui-là, je le sens pas trop. Il se laisse pas du tout faire. Il va me défoncer la ligne. Là, je suis encore à 4,5 m de ligne à ramener. On se calme. Oh là 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 là. Soit il se détache, soit je pète ma ligne. Eh ben, je suis content de ma prise. Voilà, on passe à la zone suivante. Là, j'ai un objectif de 5 kilos. Ah, joli! J'aime bien ça, la thune-scène. C'est quoi un poisson susceptible? Un poisson qui prend facilement la mouche. Bien, stylé. Oui, bah je prends le même appât, je suis pas... Je me la joue pas pro. J'ai nullement cette intention. Oh, des écrevisses! J'ai pas souvenir d'en avoir vu. Ou alors c'est la première fois que je fous ma ligne dans le secteur là. Non, ils viennent pas. J'ai merdé mon approche. Voilà. Mauvais départ, moi, pour moi. De toute façon, avec le chrono qui me reste, même pas la peine. C'est en lien avec le tableau précédent. Bon, bah, à mon avis, la démonstration, elle va être courte pour vous. Bon. C'est foutu. Ouais, temps terminé. Non, non, non. Je continue pas. En gros, c'était pour vous montrer le principe. Mais pas évident. Franchement, sympa quand on veut pas faire de la performance, mais exigeant quand on veut faire performance. Dur, dur. Allez. Qu'est-ce que je pourrais vous présenter éventuellement? Ouais, bon, encore un jeu de flipper. Je vais pas faire que des jeux de flipper, mais. Donc là, je sais plus. Clac, clac. Billard, donc je vais pas vous présenter du billard. Jeu de palais, machin. Golf. Peut-être vous présenter rapidement juste un tableau du Golf Mania. Pour le principe. Voilà, celui-là, je l'aime bien. Ibi. La collection mini-jeux. Mini-jeux de la PS3. À mon achat du jeu, quand j'ai vu la présentation comme ça, ça m'a fait penser à Marble Madness, pour ceux qui connaissent le célèbre jeu d'adresse qui avait été publié sur Game Boy et Atari ST, je crois. Oui, Dragon Sky, la commande que tu as invoquée, c'est pour le jeu que je mettrai en place quand j'inaugurerai ma chaîne l'année prochaine. Le tableau mystère. C'est si t'as pas d'idée quand je proposerai de choisir un tableau entre 1 et 100,
Tu prends la commande là, et puis tu vois, c'est un RNG, Random Number Generator. Tu as. Voilà, mon pseudo d'artiste. C'est con, justement. Quand je joue. Ouais, un petit truc classique. Ouais, pour vous montrer le principe, allez hop. Oui, tu testes les fonctions. Non, mais t'as bien raison, Dragon Sky. La preuve, l'intérêt, même les phrases automatiques. Voilà, fun fan qui relève que coopérer n'est pas le bon terme approprié. Et c'est voilà tout l'intérêt de tester. Je sais même plus y jouer. Alors, la physique est bizarre dans le jeu là. Et une fois qu'on s'y est fait, enfin j'adhère moi. Voilà. Alors c'est minimaliste hein, parce qu'à la base c'était sorti sur la PlayStation portable, la PSP. Bonjour Ginball, bienvenue. Voilà, oh j'espère que tu vas bien. Salutations, nous avons le plaisir d'accueillir @gimballprod. Voilà, très bien, Bombastos, t'as tout compris. Ouais, c'est génial pour annoncer quelqu'un que tu souhaites. J'espère que tu vas bien, Gimbal. Alors, je suis ravi de t'accueillir sur mon canal. Alors, oui, merci, avec les chapeaux. Bah, j'aime bien porter des coiffes farfelues. Bon, ça tient chaud le crâne en hiver, et puis voilà, c'est pour s'amuser. Qu'est-ce que je voulais dire ? Tu arrives un jour très heureux pour ma chaîne, en fait, Gimbal. Puisque voilà, depuis ce week-end, je peux émettre ma PS3. Je pouvais pas jusqu'alors, je pouvais émettre juste la PS2. Et aujourd'hui, la PS3. C'est pour ça que je fais des petits jeux de présentation, brièvement des petits jeux que j'aime bien. Donc voilà, t'arrives vraiment à un moment clé de l'histoire de ma chaîne. Alors, je pose la bille. Alors, pardon, je vous lis ensuite. Je tire. Non, je me souviens plus du tout. Le pire, c'est des tableaux que j'ai remportés, hein, que j'ai fait par le passé. Je m'en souviens pas du tout. Alors oui, vous voyez, le jeu exigeant, il pardonne pas la moindre faute. Hein. C'est vraiment au poil de fesse près, pour parler poliment. Non, j'y arrive pas. Voilà. Alors, pardon, que je continue de vous lire. Je suis en réparation de mon PC en parallèle. Il se peut que je ne puisse pas répondre tout le temps. Bon direct. Oui, merci. Bon courage en tes réparations, mon cher Gimbal. Ouais, ça c'est... Quand t'as des réparations qui sont pas souhaitées, ouais, que ça t'arrive dans la tronche. Dragon Sky peut témoigner. C'est... Ouais, c'est super chiant. Bon courage avec ça. Tac, tac, tac. C'est le cyberpunk du golf. Ouais. Alors si je fais plus fort, bah non mais je suis en buté, mais je suis idiot moi. N'importe quoi. La commande peut aussi servir si par hasard tu loupes l'arrivée d'une personne, je la chipperai hors antenne. Oui. Alors, en général, je regarde mes ralentis quand j'en ai l'occasion et je note les questions que vous m'avez posées, les remarques que vous m'avez faites. Mais il peut m'arriver encore avec ça que je loupe certaines de vos sollicitations, d'une manière générale. Bambastos, je t'invite à ton côté de noter ce qui t'intéresse chez moi. Tu me le redis en privé, en Discord, tout ce que tu veux. Et dès que j'ai du temps, tu sais, voilà, on se mettra en lien et je te balancerai la programmation à faire. Pour que tu puisses avoir ma commande, machin. Ça, là-dessus, je partage bien volontiers. Et c'est toujours une... Je fais n'importe quoi. Je croyais que je devais placer ma bille, en fait. Je pensais pas à jouer. Je pensais que j'étais à mon premier coup. Nul, le mec. Bref, n'hésite pas, Bambastos. Pas de soucis, chef. Oui, qui est là? Qui là, t'es qui? T'es qui là? Ouh là là, tequila. Para 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 papa. Ouh là là. Para 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 papa. Oui. Ouh, dur le tableau. Para 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 para. Dam 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 dam. Ouh là là.
Oh là là, qui est là? C'est pas mal, c'est pas pour me déplaire. Oui, pour l'anecdote, c'est un extrait visiblement que Dragon Sky apprécie beaucoup. C'était quand je jouais à Oblivion. Je me suis tapé un délire à un moment et je me suis isolé le son pendant 30 secondes parce que c'était vraiment pour moi un très bon moment. Et je trouvais mon imitation spontanée du titre Oulala Tequila pas mal, potable on va dire. Oh, bientôt, à plus Chris, merci d'être passé. Forza 5, eh ben bon jeu à toi. Mais attends, tu as ta propre chaîne? Tu diffuses Chris? Quand tu dis que tu fais du Forza 5, c'est tranquillou dans ton coin ou est-ce que tu diffuses? Enfin, si t'es encore là, pardon. Parce que je viens seulement de lire ton message. Enfin, quoi qu'il en soit, bon jeu à toi, hein, Chris. Merci d'être passé. À très vite. Merci tout plein pour ton message. Ah, c'est dans ton coin. D'accord. Parce que sinon, j'aurais pu faire la pub de ta chaîne en disant, pour ceux qui étaient intéressés à voir du Forza. Oui, il marche vachement bien, le Forza 5. Hein. J'ai compris qu'il avait beaucoup de succès. C'est bien, bonjour à toi. Ah là 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 là. Bref, voilà. Vous avez vu en gros le jeu de golf que j'apprécie. Ah, tu diffuses de la musique. Ah, bah voilà. Attends voir que je regarde. Quelle est la description de ta chaîne? Je te fais ta petite pub avec grand plaisir. Alors, tu dis quoi? Percussionniste de base. J'ai atterri dans la musicalité sur ordinateur quand j'ai découvert Reason de Propellerhead. C'était il y a environ 20 ans. Oh, je connais pas les références que tu donnes. Depuis, je ne cesse de composer. L'idée ici sera de vous proposer d'assister à la création de mes pistes, enfin tracks, et d'en créer ensemble pour les plus courageux au plaisir. Ah, très intéressante description. Ok, merci de la réponse, Chris. Ouh, va falloir que j'aille te voir. C'est cool, moi aussi j'aime beaucoup la MAO, musique assistée sur ordinateur. Ah ah, je suis ravi de faire ce genre de découverte. Oui, j'ai dit que j'arrêtais la démonstration. J'allais relancer mon coup, moi. Oh là là, on va passer à autre chose. Ah, je connais pas du tout Twinset, ta référence. Fuzzy Worlds of Miniature Space Golf. Alors, inconnu au bataillon, te répondrai-je. Oui, non, je t'en prie, Chris. A plus. Surtout que là, je te cache pas que t'as suscité mon intérêt. Il va falloir que je te rende visite très prochainement. Allez. Ça fait longtemps. Je vais vous faire un petit peu le... Je vais être lamentable. Je vais faire Je l'ai dit tout à l'heure, le 1-1-1 du pauvre. Rocket League, le Rocket League du pauvre. C'est le même principe, mais c'est un. C'est voilà, c'est une version propre à la PS3. Parce que normalement, le Rocket League, je crois qu'on le trouve qu'à la base sur le PS4. Donc il y a des petits malins concurrents qui se sont dit, tiens, on va faire le nôtre exprès pour la PS3 et essayer de gratter un peu. Je pense que c'est ça, hein, la genèse du projet là. Et c'est pas plus mal, ça permet de jouer un peu, j'aime bien, c'est marrant. Ou alors, allez savoir, à vrai dire, je suis totalement ignorant, peut-être que c'est ce jeu-là qui est original, qui a inspiré Rocket League. Je ne connais pas l'histoire des deux jeux, en fait. Je serais curieux d'ailleurs de connaître la vérité. Tournoi, mini-partie. Oui, non, je vais faire mini-partie. Juste pour vous présenter le... Oh, je sais plus à quoi correspond quoi. Ah bah tiens, j'ai pas débloqué un véhicule, donc j'ai pas tout fini en fait. Souriant. Fun Fan 1992 dit ceci, le jeu que tu fais c'est la version PS3 sur la version PS4, il a juste changé de nom. Ah ouais. Ah, tu me l'apprends Fun Fan. Merci pour cette info, waouh. Ok. Je sais plus du tout, le jeu je sais plus du tout. Oh. Oui, je commence en facile, forcément. J'y ai pas joué depuis... pourrais pas dire.
Ah oui, y a un véhicule que j'ai pas déverrouillé. Ah, marrant ça. Oui, je l'aime bien le gros Renegade. Ah, il y a des peintures différentes. Oula. Alors, ok, ça c'est le turbo. Ok, l'accélérateur, je le fais de manière assez instinctive. C'est pas comme si j'avais pas repéré la balle, elle est où? Ah, le ballon est là-bas. Alors, faut que je marque chez les rouges. Faut que je mémorise parce que je serai capable de me planter. Oh, je sais plus du tout y jouer! Au secours! Non, j'ai loupé la balle. Ah. Alors, je l'ai jamais fait en multi, mais avec des copains, ça doit être vachement drôle. Je devine effectivement que le concept est rafraîchissant. Ah, l'occasion en or, l'occasion en or! Non, j'arrive trop tard. Caméra, s'il vous plaît. Il y a du sabotage. Non, dégage. Non, je vais me la mettre moi-même. Non, 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 non. Non, non, barre-toi de là. Demi-tour. Où est-ce? Je ne vois plus rien. Bon, apparemment, j'ai des bons défenseurs. Mais elle est où la balle? Elle est là-bas. Oh, elle est belle. Oh, elle est belle. Oh, bien joué de mon coéquipier. Oh, punaise. J'étais mieux jadis, hein, à ce jeu-là. Il y a au moins un an qui est passé. Mais je me suis offert peinard, Pépouze peinard dans mon coin en solo des bons moments avec ce jeu-là. Merde, je me suis fait avoir comme un bleu. Oui, la caméra est un peu fofolle, ouais. C'est vrai qu'il y a des moments ça aide pas du tout, mais bon. Vite, la gélule de... Ouais. Elle est où la balle? Elle... Oh! Hop là! Oh! Oh, j'aurais pu faire un superbe enchaînement. Ah merde, elle est dans mon dos. Heureusement qu'il y a la petite flèche en cône. Attends. Je reviens au bon endroit. Non, collision. Ah, je veux revenir. Ouh. Mais remets-moi. Mais au secours. Mais je fais comment? Ah, merci. Ah oui, la balle est là-bas. Je suis complètement désorienté en fait. Non! Je l'ai loupé! J'ai fait de la mouise. Oula, oula, faut pas qu'il marque, faut pas qu'il marque. Ah, je l'ai pas dégagé, mais je suis nul. Ah, ouais. Oh non, je l'ai remis du mauvais côté. Oh, j'ai réengagé pour eux. Non, 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 dégage, dégage! Je ne peux que m'en vouloir. Ah, alors. C'est un multiplateforme PS4, Switch, machin, PC, Rocket League. D'accord. On va te surnommer le chapeau, le chapelier fou. Oui, on pourrait. C'est vrai, Tunsen. Ça m'irait bien en plus. Mince! Rocket League, oh my god, c'est vieux sur la PS3, ouais. Pardon? J'ai pas suivi. Il y a eu un but. Non. Oh la correction! Oh merde! Ah, il y a mon titre qui gâche le. J'avais pas vu le. Les scores. Ah, merdoum! J'avais pas fait gaffe. Bon, bah, j'ai perdu les doigts dans le. Hein? Bon, voilà. Vous connaissez la rime. Bon, c'était juste pour le principe. On va passer à un autre jeu. Je vous referai peut-être une autre démo quand j'aurai repris un peu l'entraînement, là. Parce que je suis lamentable. Non, puis l'habillage sert pas, là. Juste à l'instant, je viens de voir que ça couvrait le score. C'est pas cool. Oui, bah tu complètes, tu une scène. Aïe, aïe, aïe. Je te fais confiance là-dessus.
Ah là 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 là. Je me ferais bien. Non, c'est pas ça que je voulais faire. Je me ferais bien un bon vieux Resident Evil quelques minutes, juste que je me fasse une idée du rendu sur la chaîne. Ouais, le tout premier, bêtement. Allez, dans la nostalgie du tout premier. Voilà, juste pour voir. Faire un peu l'intro, on va dire, avec les deux, trois premiers zombies. Et puis, ça va faire un peu ambiance nostalgie. Puis après, on verra encore qu'est-ce que je teste. Oui, donc Bambastos prendra l'antenne à 17h. Donc, ouais, il me reste un peu plus d'une heure. Ouais, ça va. 75-80 minutes en gros. Ah, Capcom. On n'oublie pas. Ah là là. Ah bah je te ferai après si tu veux le Resident Evil 5. Ouais, volontiers, fan. Surtout que le Resident Evil 5, il y a des modes rapides spéciaux là à scorer. Je vais peut-être en faire un ou deux. Ouais, si. Je vais te faire ça après, fan, volontiers. Autant tout tester là. On est dans la phase de test, alors autant que je fasse multijeu. Hein. Vous voyez, j'ai indiqué divers jeux. L'autre game, je suis fou moi. Je sais même plus ce que j'ai. Ouais, bah j'incarnerai Shiva si tu veux. Y a pas de souci. Y a pas de fichier. Oui, bon, c'est pas grave. Ah oui, il y a une manip à faire pour charger l'équivalent de la carte mémoire. C'est pas grave, on va faire nouveau. De toute façon, je suis idiot d'avoir fait charger le jeu. C'est un réflexe de joueur. Voilà, nouveau jeu. Oui, c'est pas grave. Même pas entraînement. Allez, on va faire plaisir à la gente masculine ici présente. Puis je crois que c'est un poil plus facile quand on incarne Jill Valentine. Je crois, hein, je sais plus. Pardon, je suis en train de me dire. Je vais me moucher. Petit instant pudeur, pardon, je me mouche, je reviens dans 30 secondes. Alpha Team is flying around the forest zone, situated in northwest Raccoon City, where we're searching for the helicopter of our compatriots Bravo Team, who disappeared during the middle of our mission. No, I haven't found it yet. Bizarre murder cases have recently occurred in Raccoon City. There are outlandish reports of families being attacked by a group of about 10 people. Victims were apparently eaten. Bravo Team went to the hideout of the group and disappeared. Veuillez excuser cette interruption de programme. Le sage doit soulager sa vessie. Il s'est donc précipité en chambre basse, aux toilettes si vous préférez. Émoticône souriant. Merci de bien vouloir patienter quelques instants. Le sage reviendra rapidement. It was Bravo Team's helicopter. Nobody was in it. Vous pouvez disposer et aller couler un bronze dans votre couvre-chef. However, we soon discovered why.
Chris Redfield. Jill Valentine. Barry Burton. Rebecca Chambers. Albert Wesker. Resident Evil. Voilà, tu l'as invoqué, Dragon Sky. Bonjour à Lou, bienvenue. Bah, tu tombes au bon moment. Voilà, je suis en train de tester ma captation toute fraîche de la PS3. J'espère que tu vas bien, mon cher Halo. Voilà, je veux juste voir, en fait, le rendu du signal PS3 version PS1. C'est pour que je me fasse une idée, en fait. Donc, je vais faire 2-3 petits zombies, et puis... après, on teste Resident Evil 5, 5. Biohazard. Ouais. What is it? Maybe it's Chris. Now Jill, can you go? I'm going with you. Chris is our old partner, you know. Okay, let me handle this. Stay alert. Que de souvenirs. Que de souvenirs. A dining room. Ouh là là. Je me souviens plus du gameplay. La manière de jouer. J'ai les descriptions en français, je crois. Ah non, c'est en anglais. In English. Mais je crois qu'il y a moyen de mettre en français. Je sais plus. Enfin bon, ça me dérange pas tant que ça. J'ai un niveau moyen dans la langue de Shakespeare ou de Edge, comme il faut dire ici. What is this? What is it? Blood. Jill, non, c'est du ketchup. Hope this is not Chris's blood. Des personnages avec de l'écho. Ah ouais. Oui, 60 Hz, ouais. Ah, je me souviens même plus qu'on pouvait prendre l'emblème dès le début. Ouais, souvenir. L'ambiance nostalgie de fou furieux. Attends, est-ce que j'ai équipé mon flingue? Non, même pas. Voilà, parce que comme il va y avoir le premier zombie dans le mini-salon, là, au bout du couloir. Alors, pour te mettre l'eau à la bouche, si je puis m'exprimer ainsi, mon cher Halo, et vous autres, il n'y a pas de soucis avec le citron. T'en fais pas. Mince, c'est plus ce que je voulais dire. Oui, allô et vous tous. Alors, je referai prochainement, dans le courant de l'année à venir, voilà, en 2022, je ferai très probablement le Resident Evil 0, dont je me souviens plus, Biohazard 0. Je ferai aussi le remake ou remaster, je confonds toujours les deux trucs, les deux versions. Du 1, de celui-là, que je connais pas justement. Pour moi, ça va être une pure découverte. Je sais que le manoir a été pas complètement repensé, mais c'est la version originale imaginée qui était techniquement impossible à mettre en place à l'époque dans la PlayStation. 2002, allô, ok. Merci pour les infos. Voilà, mais pas tout si, Zex de Citron. Oh là, t'en fais pas. Donc, la fameuse scène. Qui a du mordant.
Et la version, entre guillemets, mise à jour, il va vite me trouver à croquer, là. Je veux pas de bisous dans le cou. Alors, si je vois pas le zombie, je vais pas pouvoir gérer le fait de lui mettre des balles. Ah non, qu'il me croque pas. Il a la grosse tache de sang. J'ai pas l'impression. Non, il est pas mort. Oui, avec mon chapeau aussi. Oui, merci, Tutsen. Voilà, là, il a la grosse tache de la croûte. Il a la grosse tache de sang. Toi, savoir faire de l'élocution. Pardon. Et en cadeau, il y a un chargeur. Ouais. Je sais plus s'il y a un autre truc. Bref, tout ça pour dire que la version, si je puis dire, entre guillemets, mise à jour, je vais avoir. Ah, par deux fois. Oh, sympa. Allez, j'ai mis 203, vas-y. Une recharge de pistolet mitrailleur. Non, il n'y a pas. Oh mon dieu, c'est horrible. Oui, là, c'est une fenêtre. Et je crois que dans la version nouvelle, c'est une porte. Et il y a encore un autre truc. Enfin, bref. Et j'avais juste vu très brièvement la présentation de ce que j'appellerais la mise à jour. Je ne sais pas exactement comment tu l'appellerais, toi, Halo, puisque c'est toi le connaisseur. Mais je la connais pas du tout, en fait, cette version-là. Et j'ai la chance de la voir. Donc, je vous le ferai à l'occasion. Ça sera mi-action, mi-énigme, mi-frousse, quoi. Ça. Franchement, les Resident Evil Biohazard, j'aime beaucoup. Oula, mon Dieu. Qu'est-ce qui serait intéressant comme rendu? Non, je crois que les portes là au début elles sont verrouillées. Donc je vais me balader ailleurs. Ah, la citation du jour, Albert Einstein. Barry? What is it? Watch out! It's a monster! Let me take care of this. What is it? Kenneth was killed too. Maybe by this creature. Anyway, let's report this to Wesker. Eh bien. Alors, moi, ça me rendrait fou. Et ça me rend fou d'ailleurs à la longue, c'est les TikTok d'horloge. Ça me bouffe dans ma conscience, je me dis mais que la vie est courte, carpe diem quoi. Mais ça me met en angoisse. C'est comme prendre conscience des propres battements de son cœur. Moi ça finit par me rendre fou. Il faut que je pense à autre chose. Je suis incapable de dormir d'ailleurs dans une chambre, beaucoup de mal à m'endormir. En ayant ce genre de tic-tac, 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 ça m'angoisse. C'est psychologique, mais je suis comme ça. Voilà pour l'anecdote. Léon revient, j'ai le même à la maison. Est-ce qu'on peut le suivre? Ah non, oui, non, il est bêtement... ouais. Bref. Après, je sais plus, à un moment, il y a un objet à pousser. Alors je fais m'amuse encore 3-4 minutes et puis on passe au 5. Au 5ème de la saga. J'ai quelque chose à chercher dans le hall d'abord. Je sais même plus quoi. Ah, la scène des Cerbères. Des chiens écorchés à la porte. Ah ouais, obligé. J'adore la scène. Comment que j'avais flippé la première fois quand j'y avais joué. C'était trop bien. Et c'est le premier réflexe que j'avais eu, moi, c'était je me barre, je m'en fous. Oh là là.
Oula, tu es une scène. Fun Fan 1992 dit ceci, il faudra qu'on fasse un débrief après le live en MP si possible. Ouais, bien volontiers Fun Fan. Ah oui, j'aime beaucoup la critique et ton analyse. Enfin, à vous tous, hein, de manière générale, je vous en remercie. Ça fait tout évoluer dans le bon sens. Alors, le tic-tac des horloges me rappelle les maisons de personnes très âgées, où règne le silence pesant et long du malaise. Ton anecdote juste après la citation d'Einstein tombe à pic. Ouais. J'ai quelque chose à trouver dans le... D'abord. Ah oui, je sais plus, il y a un truc au sol. Mais quel nigo. Je joue ultra mal. J'aurais aimé faire 2-3 petits zombies en plus, mais bon, je sais même pas si... On va peut-être passer pour 16 heures, on va passer au RE5. Find anything, Jill? Nothing. Tu es une scène. I can't figure it out at all. Beats me too. Now it's Wesker's time to disappear. I don't know what's going on. Well, it can't be helped. Let's search for him separately. I'll check the dining room again. Okay, I'll try the door on the opposite side. This mansion is gigantic. We could get into trouble if we get lost. We should start from the first floor, okay? And Jill, here's a lockpick. It might be handy if you, the master of unlocking, take it with you. Thanks. Maybe I'll need it. Émoticône souriant, FunFan 1992 dit ceci, la première modèle qu'ils ont pris pour faire Jill est une femme avec de beaux et longs cheveux. This time I'll be there. Quand est-ce que le jeu me redonne la main? This is a question. Oh là là, l'atmosphère. Ah, cultissime. J'adore vous lire dans le chat. C'est... Ah non, c'est la moquette. J'ai cru qu'il y avait un truc déjà, je me souvenais plus du tout. Ah oui, il y a des trucs à pousser. Oh là là, je... Oh putain. Oh putain, je me souvenais plus, je crois que c'était plus tard le chien. Oh là là. J'ai eu un vrai sursaut. Je m'y attendais pas, merde, je crois que c'était plus tard. Oui, coucou. Le coucou qui a dit que 16h. Waouh. Il manque un loup-garou dans l'équation, non? Je ne comprends plus les parties de votre propos. Le screamer du chien fait toujours effet des années après. Oui, la preuve. Je crois que c'est, sans déconner, je crois que c'était plus tard le chien, à un moment où t'as trouvé un objet clé. Bref. Ouais, non, c'est verrouillé, ouais. Ouais, ouais, le symbole de l'armure. Faut trouver la clé correspondante. Oh là 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 là. Que de souvenirs, ce jeu. Ouais, c'est un avis perso. Ah, un petit zombie à buter. Un petit carnage. Ça va chénier. Voilà, je suis mauvais. Je fais n'importe quoi. Allez, hop. J'avance encore un tout petit peu et puis j'arrête. Mince, non, c'est pas comme ça qu'il faut charger. Je ne sais plus jouer, tout va bien. Ah non, c'est combiné comme ça. C'est combiné comme ça. Je vais y arriver. Voilà. Je me disais bien qu'il y avait moyen à faire dans le menu et pas dans, dans l'action. Cette pièce-là, on y accède déjà ou pas? Je sais qu'elle est particulière, la pièce-là, je crois.
C'est pas la pièce où on a la vue sur l'héliport dans le jardin au loin, qui correspond à la scène finale du jeu. Ah, pas du tout. Donc j'ai commencé à oublier le jeu, sans déconner. Je me ferai avoir comme un bleu. C'était peut-être la porte suivante. Mais on y accède tardivement à cette pièce. Pas au début. Oh là là, que de souvenirs. Et ça, c'est une pièce de sauvegarde. Il y avait de l'herbe, mais on s'en moque. Hein. Je fais juste un passage rapide. Ouais, là, une pièce de sauvegarde, ouais. Oh là là. Il y a quoi en cadeau dans la manette? Ah, il y a les produits de jardinage, ouais, pour la plante. La vilaine plante, prototype. Ouais, il y a deux flingues. Enfin, deux flingues. Deux chargeurs de flingues. Bref, voilà, c'était pour faire mumu sur voir le rendu avec le premier opus historique de la saga. On va passer donc au cinquième. Et je vais incarner Shiva dans un mini-jeu, je crois qu'il y a moyen, pour le plus grand plaisir de Fun Fan. Et du mien aussi d'ailleurs, je vais pas bouder mon plaisir. Alors, il est où le 5? Édition or en plus, j'ai la chance d'avoir le contenu additionnel. J'ai même un doute. Le 6, je le connais pas. Le 6, je l'ai pas encore fait. Et le 5, est-ce que j'ai fait le contenu additionnel? Je sais même plus. J'ai fini le 5, mais est-ce que j'ai fait le contenu additionnel? Je sais plus. Je sais plus du tout. Faudra que je revoie. Oui, le lien entre. Ça et Alone in the Dark, ouais. Oui, sauvegarde automatique, oui, bah qui sauvegarde? Ah, pas de soucis, va. Alors, Inji Mikami confie à nos confrères du monde que sans Alone in the Dark, Resident Evil n'aurait pas été ce qu'il est, ouais. Ouais, bah ouais. Une expérience de programmation, ouais. Ah, ça en jette. Ça en jette. Jouer... Alors, à quoi je sais plus. Rejoindre personne et bonus. Les mercenaires, ouais. Les mercenaires, je vais vous faire les mercenaires. Ah, des épisodes. Pas contenu dans la version... Ah oui, mais oui, excellent, perdu dans les cauchemars, j'ai adoré. Du complexe de Tricelle, oh là là, énorme. Oh là là, trop bien. La réunion des mercenaires, jouer à des mercenaires avec des nouveaux persos et des nouveaux coups. Oui, mais non, je suis bête, il n'y aura pas Shiva que je suis bête. Si? Attends, je vais regarder quand même. Solo. Oui, on voit que j'ai pas joué. J'ai tout à faire en fait. J'ai tout à faire. Attends. Ah bah voilà, la belle Shiva Aloma. Yeah. On peut choisir la tenue peut-être, non, je sais pas. Non, apparemment. Oh là là. Oh là 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 là. Ah oui, c'est ok, la d'autre là elle est en secrétaire si je puis dire. C'est cliché. Oh Barry Burton. Oh Rebecca Chambers. Ah là là. J'aime beaucoup la petite jeunette infirmière Rebecca Chambers. Allez, on va faire Shiva. Alors Shiva en chaperon rouge, si je puis dire, ou celle-là. Tu préfères quoi, Fun? Sa tenue classique, ok, qui est ni l'une ni l'autre. Donc c'est pas le bon mode si je te comprends. Alors attends, je vais lancer le secrétaire. Allez, on va faire secrétaire. On va y arriver. Voilà, allez. Je vous préviens, ça va être un massacre. Mais pas dans le score, c'est moi qui vais être nul. C'est là que va être le massacre. Je vais me faire exploser en moins d'une minute, à mon avis. J'y ai pas joué pareil depuis...
2 ans peut-être. J'ai plus du tout les réflexes. Attends. Oui, je gagne du temps. Merde, comment je joue? Je sais plus c'est quoi les touches. Ah, c'est les... Mais non, mais pourquoi elle a les mines en main, elle? Mais c'est nul. Flingue. Mais comment je fais? Non, mais je sais plus comment on joue. C'est pas bien. Je suis complètement acculé. On fait comment? J'ai rechargé. Feu. Non, adieu. C'est comme ça. Je ne panique pas du tout. Non, c'est faux, madame. Barrez-vous. Ah. Ouh. Ah oui, le jeu est très très nerveux. Attends, ah oui, alors faut courir comme un dératé forcément pour scorer. Lui, il est bloqué dans le décor, tout va bien. Ouais, cool, bien. Moi aussi, je me bloque dans le décor. Je vous ai prévenu, hein, je suis nullissime. Ouais, ah, bonus de temps. Stylé. Ah, ils sont partout. Mais non, mais recharge pas, Donas. C'est pas le moment. Ah, au secours. Non. Aïe, aïe, aïe. Non, je veux pas trinquer avec toi. C'est pas l'heure de l'apéro. Dégage. Bouh. Au secours, il est où lui? Ah. Non, j'ai plus de balles. Au secours, alerte rouge, panique. Non, oui. Mince, j'avais des munitions, j'ai pas ramassé. Ah oui, non, mais non. Mais oui, mais non. Ok. Je vous lirai après, hein. Vous comprendrez que là, je peux pas lire le chat. C'est pas possible. Je suis en panique. Je vais peut-être avoir la paix en allant à l'échelle, mais il sera trop tard, évidemment. Non, il y a du monde en haut aussi. Bon, bref, allons-y. Allez, c'est la fête. Comment je fais l'inventaire? Ouais, le flingue là, vas-y. Ça y est, je peux... Oui. Voilà. Oui, si, c'est la fameuse... Ouais, c'est l'épisode où il y a eu polémique. Oui. Effectivement. Je pourrais plus rappeler de détails, mais ouais, l'épisode-là avait fait polémique, ouais. En disant, en gros, c'était des individus de couleur blanche qui tiraient sur des personnes de couleur noire, et c'est très mal passé. D'où le fait d'avoir intégré Shiva, voilà, en tant qu'actrice au Carnage. Ouais, en gros, c'était ça. Je résume dans les très grandes lignes. Parce que je me souviens plus du détail de la polémique de l'époque. Oh, j'ai envie d'essayer ma favorite. Allez, excusez-moi, moi j'aime bien la petite Rebecca. Elle est toute mimi, la petite infirmière. Je vais essayer d'être mieux. J'ai pas regardé son équipement d'ailleurs à l'infirmière. Il faut pas agacer la demoiselle, elle est lourdement armée. Alors, je vise comme ça. Ça commence à revenir, ouais. Je vise comme ça. Et... Oh! Non mais le gâchis de balles, mais je suis nul. Je joue lamentablement, hein, j'avoue. Oh, dans les roubignoles. C'est rigolo. Non.
J'ai fait bugger le... Je l'ai mis en lévitation, le mec. Trop drôle. Ah, sympa. Alors, j'ai quoi d'autre comme arme? Ah oui, ça défouraille méchant, ça. Oh! Ah oui, prendre. Déjà? Oh là 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 là! Ce jeu est très exigeant. Là, je devrais être peinard, là, non? Pas du tout. On est peinard nulle part. C'est pas possible. Yes, stylé, la demoiselle. Bien joué. Ça défouraille sévère. Oh, je peux pas prendre. Ah! Va-t'en, vilain. Mince, il y avait un truc à ramasser, non? Non? Si? Ah, je peux pas. Yeah. Ah merde, j'ai plus de... Mais si, je peux tirer encore. Mais pourquoi ils tirent pas? Ils sont groupés, là. Mince. Oula, ça se complique. Non! Oh yo 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 yo. Attends, je vais choisir la bonne arme, je fais comment? Que je me défende un peu quand même. Oh là là, je me souvenais plus à quel point c'était si nerveux. Oh là là. Oui, il dit que je suis nul en gros. Et dans le tableau, c'est encore. Bon, c'est pas. C'est pas trop. Hein. On va dire que je sauve l'honneur. Aïe, mais très beau jeu, franchement. Bah, est-ce qu'on peut pas avoir Shiva dans un autre. Shiva dans un autre mode de jeu? Je vais essayer le mode mercenaire normal par curiosité. Donc on va retrouver normalement, je pense, Shiva en classique. Ah, faut déverrouiller. Ah bah, elle est de base. Ah, il y a l'air d'avoir pas mal de monde à déverrouiller. Allez, on se refait un petit coup de Shiva dans la tenue classique. Je crois savoir. Les infirmières et les secrétaires, c'est le début d'un fantasme. C'est pas faux! C'est pas faux. Attends, il m'a mis sur les toits, du coup je suis complètement désorienté. Ouais. Oui, effectivement. N'importe quoi, mon Dieu. Ça y est, du coup, je vais être complètement déconcerté pour le jeu. Il m'en faut pas plus, en général. Oh. Elle a quoi comme... Aïe, 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 aïe. C'est du catch, maintenant. Allez, go. Non, mais non! Oula, oula, oulala, oulala. Faut que je bouge, faut que je bouge. Faut que je bouge. Wouh! Ça envoie du pâté. Ah, sympa!
Non, y a rien à récolter. Oh. Ah. Mais je sais pas ce qu'il me fait. Ah, grenade incendiaire. Oh, le jet est généreux là. Merde, je tire au sol. C'était un tir de sommation. Ouais, bon, bref. C'était gentil. Ouh. Ouais, nerveux comme jeu. Ah là 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 là. Les bonus, c'est quoi? Ah, acheter des objets spéciaux, ouais. Ouais, sympa, on a revu un petit peu Shiva. Ah là 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 là. Eh bé. Ouais, je t'en prie, fun fan. Mais j'ai vraiment perdu la main. Faudrait que je m'y remette en fait. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Qu'est-ce qu'on pourrait faire encore? Donc en gros, j'ai encore 3 quarts d'heure d'antenne. Oh, on termine peut-être finalement sur du. Sur du. De la baston là, le. Tac, 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 tac. Oui, donc le zéro, il faudra que je le refasse le zéro. Je le referai dans le courant de l'année prochaine. Parce que je crois que je l'avais fini, mais je m'en souviens plus du tout. Je vois le coup du train au début et après je sais plus. Donc ça va être une quasi redécouverte pour moi, quoi. Le 6 que je connais pas. Ouais, non, allez, je vais vous faire le Dead or Alive 5. Que j'ai en galette. Allez, on va finir là-dessus pendant 40-45 minutes et puis je ferai relais à Bambastos pour le visage. Oui, je t'en prie, Bambastos, avec plaisir. Ne remercie pas à chaque fois, va, te sens pas obligé. Ah, je crois que je vais découvrir l'intro avec vous. Mais c'est pas une saga qui est réputée coquine. Dead or Alive, on voit les nanas en bikini là. Ça me dit quelque chose, mais je sais plus. Tortue Ninja, je sais pas. Je me sens ni obligé ni n'en fais trop, je suis juste poli. Bah oui. Ah là là. Si, c'est ça, c'est coquin, tu confirmes. Bah je découvre en fait. Mais alors je vais faire arcade, ouais, pour tester, ou entraînement peut-être. Non, allez, je me lance dans l'arcade. Match en solo. Ah oui, débutant. Complètement débutant, je vais découvrir en fait. Ça peut surprendre, mais j'ai jamais joué à un jeu de cette saga. Ouais, bah. Ah, il y a quand même des mecs, ça me rassure. Oh, elle a l'air d'être en kimono, la demoiselle. Une authentique japonaise.
Émoticône souriant. Fun Fan 1992 dit ceci. Elena est le seul personnage français du jeu. D'accord, Elena, ok. Merci pour cette info. Intrigante cette galerie de portraits. Ouais, base. Il y a des persos à débloquer, ok. La Mariposa. Tina, ouais. Elliot. Ah, il y a vu ça. Alors, la Mariposa, elle m'a tapé dans l'œil, si je puis dire. Elle m'intrigue. Ah, t'as le choix du costume? Brésil ou Mexique peut-être. Ouais, ça fait peut-être catch. Ça fait peut-être catch brésilien son costume. Vous qui connaissez en catch, je sais pas si vous pouvez m'infirmer ou confirmer mon propos. Je trouve que ça fait tenue de catch mexicain. Temps de chargement un peu long, j'ai l'impression. Mais bon. Ah oui, ok. Effectivement, c'est beaucoup biceps et gros lolo. Ah oui, c'est du catch. Ah bah vous allez apprécier. Ouh, et dur. J'appuie comme un fou furieux n'importe comment sur toutes les touches. Ah et c'est beau. C'est vachement beau. Eh, vachement nerveux, j'aime bien. Oh, ah oui, ça fait mal. Attends. Oh. C'est con, c'est bête, mais j'ai mal pour elle en fait. Je n'ose imaginer la douleur en vrai. Oh. Attends, c'est quoi ça? Ça c'est les mains, ça c'est je pars, ça c'est les pieds. Oh, quel enchaînement! Waouh! Oui, mise à jour des niveaux de fidélité. Combat de divertissement, oui, tu m'étonnes. Le catch mexicain, c'est la lucha libre avec des masques ou sans masque. Ok. Oui, c'est le masque qui a dû me faire inspirer le catch... mexicain. Le masque fait... Alors, j'arrive à vous lire en appuyant bêtement en fait sur les touches de la manette et ça marche. Mince, je me déconcentre, je suis mort de rire. Voilà, puis il y a tempête en plus. Le... Alors, catch, c'est pas une marque de produit à moustique. Une scène. Excellente. Bref. Oh là, oh là, oh là. Oh les bandales. Mais le jeu est vachement nerveux, je trouve. Eh ben. J'ai loupé... Attendez. Le masque fait luchador, mais de mémoire, elle est spécialisée dans le jeu de jambes. D'accord, merci Bambastos. Ok, ok. Les trophées PS3 et c'est plus classe que ceux de la PS4. Où suis-je? C'est un cirque? Oh mon dieu. C'est original. Eh ben. Oh, 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 oh. Joli. Mince. Aïe, 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 aïe. Ah, bel enchaînement. Ouais, je peux le choper. Voilà.
Faut que je mémorise les touches en fait. Oh 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 oh. Eh ben. Bon bah on va voir jusqu'où je vais avec ce perso, puis on en fera un autre. Totale découverte, hein. Eh ben. Mais c'est vachement bien, je trouve. On s'y croirait. J'ai trouvé mon maître. Oh là, oh là là, la violence d'entrée de jeu. Mais comment qu'il m'a enchaîné. Oh là, oh là là. Oh le massacre. Vache. Attends, c'est pas possible, il y a des combinaisons qu'il faut que j'apprenne à maîtriser là. Ah joli. Cet enchaînement de jeux de jambes, effectivement Bombastos, je te donne effectivement raison. Elle est d'un naturel aux jambes. Il faudrait pas que je fasse que ça, entre guillemets. Elle est redoutable au jeu de jambes. Donc elle, tout se fait avec le rond. En plus, je commets une erreur stratégique majeure, en fait, on voit que je suis débutant. C'est que je me tiens près de mon adversaire alors qu'il est au sol. Et c'est classique de décommer l'adversaire quand tu te relèves. Je devrais me reculer, en fait. Bref, j'ai tout à apprendre, comme on dit. Ah, Japon. Joli. Le cadre sympa. Oh là. Oh la bagade la bagabaga. Violence gratuite. Schlag. Yeah. Mince. Je voulais faire un jeu de jambes et j'ai merdé. Voilà. J'ai chaud. Excellent enchaînement. Oh là 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 là. Quand il joue avec son dos ou ses épaules, il est extra ce mec. Wow wow wow, c'est très équilibré. Oh, elle fait de ces trucs. Waouh, les cabrioles. Oh, c'est beau. Je trouve que c'est même plus beau que la... Oh, j'ai défoncé en fait. J'ai complètement déboîté le mec. La Campuera du perso dans Tekken, que j'aime beaucoup. Et elle, wow, respect. Très classe. Alors que je vous lise un peu. Dead Alive, c'est fait par des Japonais. Ok. Lui, c'est la technique de l'homme ivre. Ah, le Suiken de mémoire. Très intéressant, Bombastos, ce que tu nous apprends là. Merci, cool. Je m'excite comme un fou à la manette. Je clique frénétiquement sur la même touche pour voir ce que ça fait. Oui, c'est un ninja le perso. Ah, j'aime bien les ninjas. Dans Virtual Fighter, il y a un ninja, j'aime bien l'incarner. Oui. Oh.
Oh, joli, cet enchaînement. Eddie Gordo de Tekken. Oh là là, tu connais bien. Merci, Bambastos. Oh là 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 là. Elle fait la capoeira, ouais. Eh ouais, bien vu, Zex de Citron. Je regarde les jeux de combat, il n'y a que Mortal Kombat qui est fait par les Américains. Ah, bonne question. Oui, très bonne question. Mortal Kombat, ouais. Le seul fait par les Américains. Voilà une question qui est la bonne. Oula. Jeu de jambes, jeu de jambes, jeu de jambes. Allez, fais ta spécialité. Salut, réussi à la demoiselle. Comment que je l'ai envoyé valser? Aïe 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 aïe. J'aurais bien aimé parer ça, mais non. Oh là, oh là, oh là là. Énorme. Et nos jeux de catch, je crois qu'ils sont pas considérés comme des jeux de combat. Là, je pourrais pas dire. Voilà, c'est vous les spécialistes, hein. C'est pas moi qui pourrais vous apporter de l'eau au moulin. Ah, le clone. Oh là 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 là. Mes chers, mes soeurs, jumelles, on est sous le signe de Gémeaux. Ah mon dieu. Aïe. Oh là 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 là. Oh là là, oui. Non. Wouah, c'est quoi ce lancer stratosphérique? Ça devrait être interdit, madame. Oh là 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 là. Wouah. Oh là là, magnifique. Très beau. Moi j'aime beaucoup. Je sais pas ce que vous en pensez vous. Vous avez obtenu un titre Lisa débutant. Magnifique. Ça en met plein la vue. Ah, suivant, j'avais même pas vu là. On la voit gémir, la pauvre. Changer de parcours, ça veut dire quoi? Ça veut dire changer de perso? Enfin, je crois. C'est bizarre de dire changer de parcours. Oui, très beau le plan, ouais. Je rigole, ouais. Bon Dieu. Elena. Ah, bah, regardons Elena. La petite française. Bien de chez nous. Alors, attends. Elle était où, Elena? Elle était pas parmi les premières? Elena, Elena, Elena. Ah, si, là-bas. Là. Alors, Elena. Non, mince. Ah, je fais des bêtises. Ah, il y a peut-être pas de variante, c'est ça? Mais si, qu'il y a des variantes, faut la sélectionner. Costume 2. Mmh. Oui, bah costume 1. Oh, belle queue de cheval. Enfin, c'est... Oui, que de cheval. J'ai failli dire Nat, mais non, elle est pas tressée. Elle est très classe, ouais. Bah, on va voir. J'ai une pensée malsaine. Je suis en train de me dire, est-ce que faire des jeux coquins, ça va faire monter mon audience? J'étais en train de me dire ça.
Alors, faut que je découvre le perso là, parce que. Ouah, le jeu au talon, comme si elle piquait du dard, telle une abeille. Le décor qui part. On a démoli le chantier. Merde, je suis mort de rire. C'est quoi ce délire? C'est excellent comme transition de scène. Ah non mais c'est génial. Franchement je trouve l'idée excellente. Le jeu nous en met plein la vue. Wow. Yeah. Effectivement elle est stylée demoiselle. Eh bien. Ouais, jeu coquin, audience, assurément. C'est terrible. Hein. C'est terrible. Aïe, 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 aïe. Alors, attends. Elle fait quoi d'autre, la demoiselle? Oh, pas mal. J'aime bien la technique avec les mains. Oh là 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 là, ce massacre. Wouh! Au milieu des tirs en plus. Ouah, non, bien sûr, un char d'assaut, tout va bien. Mince. On voit que je fais n'importe quoi. On voit l'image que je clique comme un fou furieux. Ça veut rien dire. N'hésitez pas à faire des clips si vous le souhaitez. Oui, merci FunFan. Tu verras à la rediff. De quoi, de quoi, de quoi? Ah oui, oui. Oui, alors à la rediff, tu as pas idée, Bombastos, des trucs que je vois. Rien que les jeux déjà, que je m'aperçois pas au moment de jouer. Et entre autres choses. Comme tu dis si bien, je reverrai à la rediff. Je reverrai ça en semaine. Un vrai numéro de cirque. Alors là ils peuvent le dire. Allez go. J'ai du mal à me dire que le carré c'est la parade. Mince. Ah j'ai pas essayé les gâchettes. Il y a peut-être des trucs particuliers avec les gâchettes non? Ah j'ai peut-être loupé une... Des coups spéciaux. Oh là là. Ah sympa l'arlequin derrière. Qui fait la jonglerie. Cool. Yeah. Excellent. Ah une petite chinoise. Ni hao. On lui dit bonjour. Allez. Ah, je voulais faire une prise en finale et... C'est merveilleux. Chaque clip que vous faites, c'est 1€ de plus pour la fondation FunFan XD. Fun fan, va pas non. N'importe quoi. Mais justement, tu ferais bien. Enfin, peut-être que tu le suggérais en parlant de fondation Fun Fan. Mais oui, il y a des joueurs en ce moment comme Aerostar qui font du jeu pour à côté des dons pour le Téléthon. Yeah. Ok, là oui je peux rechanter, nous sommes les sœurs jumelles. Oh, oh mon dieu.
Et sous le signe des gémeaux. Dali dali dala. Oh là là, mais elle m'enchaîne. Mais j'ai pas le temps de me lancer. Je charge mon coup et ça marche pas. Oh là là. Ah, j'ai du mal, hein, les combats avec les clones. Il y a un effet miroir que j'assume pas. Oh là 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 là, la mandale qu'elle vient de me mettre. Alors, les enchaînements de deux touches différentes, en général, ça paie bien. En combo, c'est ce que je m'efforce de faire pour gagner. Voilà. Oui, la cause est plus noble, Bans Bastos. Ouais, mais bon, en même temps, je te cache pas que j'aime bien te suivre sur, sur visage. Écoute, mon sentiment, Bambastos, c'est que j'ai fait ma BA déjà ce matin en le recevant sur mon canal et puis je lui ai fait sa promotion. Je refais sa promotion maintenant, voilà. Non, non, je t'accorde mon relais de chaîne, va. Je te cache pas que j'aurai grand plaisir à te suivre. Puis en même temps, ça me permettra d'être peinard en off, enfin, j'aime pas le terme anglais, pour faire le point avec FunFan. Je vais recevoir sa critique tout à l'heure. Il va me dire ce qui va pas sur mon canal. Je lis tous les coups, ok. Oh yeah! À qui me fait penser ce garçon? Je me demande s'il m'inspire pas le personnage de l'animateur radio dans. Oh, j'ai fait un parfait! Un perfect! Une perfection! Il me fait penser à l'animateur radio dans Fallout 3, Three Dogs! Je crois que c'est lui que ça m'a inspiré dans la première seconde. Oh l'enchaînement! Le mitraillage. Merci FunFan, merci. T'as dû faire un match parfait sans te faire toucher, d'où le trophée. D'accord, ok. Ah ouais, merci. Elena, c'est la préférée de mon ami Litrika. Ah ouais. Oula, c'est qui la demoiselle? J'ai pas le temps de voir. On dirait une roqueuse. Christy. Voilà. Mince. Comment j'ai baissé ma garde, moi? Alors que je m'approchais pour faire un coup et l'accueillir. Ah, la succession main-jambe avec Elena, ça marche vachement bien. Mais il faut pas hésiter à être nerveux et à mitrailler comme un fou furieux. Vite expédié, je trouve. Elle est trop bien, cette arène. Arcade terminée. Oh. Bonjour. Ah oui, j'ai pas décalé mon mince, j'ai oublié de décaler mon alerte nouveau fidèle. J'aurais pu le faire à midi. Bonjour et bienvenue à acheter Fiat Multipla. Ça fait très pub déguisée. Mon dieu. Ah, j'ai eu un message perso SMS. J'ai débloqué un nouveau costume. Vous avez un nouveau titre, ceinture blanche d'arcade. Vous avez un nouveau titre, Elena débutant. Eh ben.
Et je m'interroge hein, sur le... sur le... spectateur fidélisé. Ouais. Merci tout ça m'a appris. Ce acte de fidélité à la chaîne. Ça fait chaud au cœur. Bienvenue. Aïe, aïe, aïe. Alors du coup, je vois plus le menu. Mais c'est trop bizarre. C'est trop bizarre. Moi, je me demande si c'est pas un robot. Enfin, bienvenue, quoi qu'il en soit. Hein. Mais ça m'intrigue. Ça m'intrigue. Mais il changeait de parcours, donc de perso. Oui. Ah, en kimono, la japonaise. Oh, c'est beau. Oh, c'est classe. Oh là 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 là. Je vais prendre le premier costume qui est très beau. Alors, Kokoro, en japonais, c'est le siège des sentiments, le cœur. Pas l'organe, hein, justement, mais le siège des sentiments, Kokoro. Je sens que le personnage va me plaire. J'adore les kimonos. Surtout les ceux d'été, les yukata. Oui, Kokoro, oui. Oh mon dieu. Tu es incorrigible. Oh non, moi, non, je suis pas prêt, j'allais boire. Oula, attends. J'allais boire un coup, moi. Oh, elle est en guetta en plus. Les chaussures traditionnelles en bois. Magnifique, eh. L'animation est superbe. Je viens de la mettre au courant. Eh oui, viens par ici que je te mette au jus. Ah, c'est le chantier qui va encore se casser la figure. Ah. Et voilà. Laisse tomber. Oh. Magnifique. J'admire. Très classe. Je voulais me prendre un yukata, mais autant dire que c'est pas donné. Ouais, ouais, c'est un budget. Ouais. Ouais, ça coûte bonbon les yukata, ouais. C'est les clichés de la japonaise, ouais. Ouais, bah ouais. Oh, 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 oh. J'arrive pas à faire des coups spéciaux avec la nippone. Comment que je l'ai encastré? Oh, oh. Trop fort. Ah, ça fait bizarre de voir une nippone en kimono dans un cirque. Pardon, ça me fait marrer. Joli. Oh, la boîte, excellent. Mince. Ah, oh, il m'a bien eu, là. Sur ce coup-là, j'ai... Ah.
Violence, violence faite sur femme, c'est honteux. Oh mon dieu. Ah, oh, c'est tellement étrange de voir ouais, dans un cirque, c'est waouh. I challenge you. It's so nice to meet you. Get ready, fight. OK, il est en train de me déboîter. Mais j'arrive même pas à m'en saisir, le mec. Ok. Je crois que je vais pas aller plus loin. Oh, dur. Ah, dur, dur, dur. Non. Oh là là. Rien du tout. Attends, si j'arrive à... Pas mal. J'ai sauvé l'honneur. Rien n'est joué. Un partout. Non. Ah, j'ai levé ma parade. J'étais en train de parer. J'avais prévu le coup et j'ai merdé. J'ai lâché trop tôt. Non, non. Mais merde. Non. Voilà. Wow. Je peux le dire avec ce décor de fond, j'ai eu chaud. Popopo. Et je commence à avoir mal aux doigts à force d'appuyer frénétiquement sur le bouton. Ah, elle est dans son décor là. Ah, magnifique. Et bah alors ? Ah, quand même, j'ai un droit de réponse. Ah. Je me disais, mais je vais réussir à en placer une, lui, ou je nous signe à qui, là ? Hein, bon. Mais. Suffit, oui. Ah. Ça me fait rire. Non, je suis déconcentré. Oui. Trop bien. Bonne soirée, bonne semaine à toutes et tous, à une prochaine. Eh oui, tu vas préparer ton antenne, mon cher Bambastos. Toi aussi, bonne continuation. Oh, le ninja. Oh. Pourquoi on n'est pas dans une arène nippone? Ça aurait été 100% japonais. Oh. Merveilleux. Mais j'ai pas réussi à le saisir, le ninja. Putain, la vache, il est terrible, mec. Superbe, le décor de fond, on sort de la grotte, j'adore. C'est magnifique. Vachement bien. Magnifique! Ah, oh, mais c'est génial! Waouh! Je suis ravi du spectacle que je vous offre. Oh là là! Bah alors, allez debout les nippones. Gambatte kudasai. Ah. Courage. Ah, dommage.
Non, enchaîne ma grande, tu peux le faire. Voilà. Ah, j'en ai le souffle coupé. Yeah. Oh, ça fait du bien. Yata. À la japonaise. J'ai bon espoir que Halo apprécie particulièrement ce spectacle. C'est offert par les maisons. Oh là là, oh oh, oh là là, l'étudiante américaine là, calmos. Ah, ah bah, on est revenu sur ton arène favorite, si j'ai bien compris, fan fan. Oh, c'est nerveux. Ouais, c'est du catch, nouvelle génération. Oh. Oh, je me suis bien repris. Ma petite... L'avantage, c'est de la coincer à la corde. Là, elle est en train de se venger et de me massacrer. Oh, l'enchaînement! Oh, j'adore! Ouais! Oh, c'est bon ça! Ah. Oh! Oh, génial! Un nouveau costume pour la demoiselle! Voilà, petit Kokoro débutant. Enfin, débutant, devrait-on dire, forcément. Et B. Yeah. Allez, on se fait rapidement un petit dernier perso et puis après on ira voir Bombastos qui va pas tarder à prendre l'antenne, je pense. Ouh. Oui, merci pour l'avalanche de clip. Merci, merci, FunFan. J'en raffole. Ce sera directement intégré à la compilation des meilleurs moments pour le 1er janvier prochain. Allez, j'ai peut-être essayé d'incarner un garçon. Oh oui, c'est... On va voir. Oui, toujours torse nu, j'ai pas l'impression que le costume change beaucoup. Allez, on va voir, histoire de tester un mec. Alors, je teste un mec, on voit tout de suite l'audience qui a chuté. J'avais le double tout à l'heure. Ça parle mal. Oh mon dieu. Mais c'est génial, franchement. Mais je vais avoir mal aux doigts pour la soirée, moi. Enfin, surtout la main là, ça me... Oh là là, oh là là. Mince. Ah, j'ai l'alerte que quoi bon ce bateau, ça a pris l'antenne depuis 3 minutes. C'est bien. Bah, je finis le combat là, puis je vais directement faire le raid chez l'ami Bastos.
La tata, litata, litataire. Ce final. Eh bé. Allez, zou. Eh ben, dis donc. Voilà. Oui, j'ai même pas la pression de quitter le jeu. Ouh. Eh ben, merci tout plein d'avoir d'avoir suivi. J'arrive même pas à changer de scène, de scène. Ouh là là. Bref, on va faire le raid chez l'ami Bombastos. Merci à vous tous. Merci FunFan pour la modération, l'animation. Attention, faut pas que j'ai. Ah oui, c'est TV que je suis bête. J'oublie l'argument TV. Bombastos TV. Si, on est là. Oui, merci. Mais merci à tous, c'était bien, c'était cool. Du coup, j'ai un doute si j'ai réussi. Attends, j'ai bien écrit Bombastos TV. Oui, normalement, le raid devrait se faire. Oui, normalement, ça devrait être bon. Dans la minute qui suit, là, ça va zapper. Merci à vous tous d'avoir été là. Bonne soirée. Bonne continuation. Bonne semaine à l'avenir. Hein. Voilà. Va falloir reprendre le taf. Ah, t'arrives trop tard, mon pauvre cousin. Revenu jusqu'à YouTube. Désolé, merci. Bah oui, je rends l'antenne. Là, je me suis bousillé les doigts au jeu de combat. Mais bon, bah, y a la rediffusion, voilà. Faites-vous plaisir, n'hésitez pas. Il y a la chaîne YouTube, il y a plein de choses. Enfin bref, vous connaissez. De toute façon, c'est le même pseudo, vous trouverez rapidement. Voilà, c'est un exemple parmi tant d'autres, si vous voulez voir les ralentis. Là, les rediffusions, là, je vais rapidement les mettre en semaine sur la chaîne YouTube. Ce sera archivé de manière intemporelle. Et voilà, voilà. Prenez soin de vous. Merci. Encore merci, FunFan. Merci tout le monde. C'était un régal. Ravi d'avoir été là avec vous. La grande nouveauté de la PS3. Et puis voilà, ça s'améliore. Ça s'améliore. N'hésitez pas à envoyer vos critiques, hein, vos retours en disant ça j'aime bien, ça j'aime pas. Tu pourrais faire ci comme ça. Je suis très réceptif. J'aime beaucoup. N'hésitez pas à me contacter. J'aurai grand plaisir à vous lire et à vous répondre. Voilà, voilà. Voilà, par exemple aussi. Nickel, c'est bien. Merci tout plein, au revoir tout le monde. Ciao.